L'innovation à travers la différenciation, cette différenciation qui permettra et qui permet à nos clients de dire Monoprix, c'est pas tout à fait pareil qu'ailleurs. Donc une différenciation à travers nos produits, à travers l'expérience d'achat, à travers la digitalisation de nos points de vente, à travers des nouveaux parcours d'achat alimentaire et toutes sortes d'innovations qui nous permettent de rester dans la dynamique permanente. Une entreprise innovante et compétitive, c'est une entreprise qui a peu d'interdits, c'est une entreprise qui se remet en cause perpétuellement, qui n'a pas peur d'échouer, qui tente, qui a une démarche assez itérative dans sa manière de déployer des projets. C'est une entreprise qui finalement inscrit l'innovation dans son quotidien et dans son ADN. Une des clés de succès pour Monoprix en 2019 sera finalement de s'assurer de l'exécution opérationnelle de ces projets. Monoprix étant une entreprise qui est dans l'innovation permanente, dans une innovation assez justement itérative au fur et à mesure, on déploie plein de projets en permanence, il faut maintenant qu'on s'assure de notre capacité à déployer ces projets. Peut-être que réellement la clé de succès pour Monoprix, c'est de savoir sélectionner une ou deux belles idées, grandes idées parmi l'ensemble des projets que l'on peut développer aujourd'hui, qui finalement nous assureront les relais de croissance de demain. D'un point de vue purement opérationnel, le plus grand défi pour Monoprix en 2019 sera certainement de faire une bonne balance entre ce qui est sorti en matière de réglementation sur les prix et la promo des états généraux de l'alimentation et la pression permanente et grandissante sur le pouvoir d'achat de nos clients.